Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon défi des 100 jours. Défi dans lequel je partage comment je maintiens au quotidien mon alignement et ma connexion à mon cœur. Je suis là en déplacement en week-end en région parisienne. Et en arrivant hier en voiture, je me suis rendu compte que ça m'avait fait perdre mon alignement assez rapidement. Notamment parce que j'ai habité quand même assez longtemps à Paris, alors je connais un petit peu l'ambiance, mais maintenant que j'en suis partie, je me suis vite habituée à vivre de façon plus sereine et moins énervée. Et donc là, en voiture, c'est vraiment très particulier, la région parisienne. Ça circule dans tous les sens, tout le monde veut gagner 3 millisecondes sur la voiture d'à côté, donc conduit sans respecter aucune règle pour pouvoir gagner 3 mètres. Donc ça demande une extrême vigilance et beaucoup de réflexes. Et hier, je me suis dit, mais vraiment, quel monde de fou ici et quelle façon de vivre, quoi, qui est difficile pour l'alignement. Et même moi, ça m'a vachement déstabilisée en arrivant de me retrouver dans ce contexte et dans cet environnement. Et du coup, ça me faisait aussi me dire comment je peux rester alignée sans être influencée par ce qu'il y a autour de moi. Souvent, c'est les grands yogis qui disent ça, que la clé de la méditation est vraiment, on se rend compte qu'on a cheminé quand on est capable de méditer en plein milieu d'une place publique en Inde, où c'est un vrai capharnaüm. Donc voilà, c'est pas un but en soi, mais de tendre vers ça et de tendre vers être moins sensible à ce qu'il y a autour de moi, ou à être moins déstabilisé par l'environnement et par l'agitation qui m'entoure. C'est quelque chose vers lequel j'aimerais bien tendre et avancer. Donc voilà, hier j'ai noté que c'était pas encore gagné et que, en tout cas, cet environnement-là avait vraiment un gros impact sur mon alignement et sur mon énergie et sur mon bien-être. Ça me met dans un état de tension d'être entourée de tous ces gens tendus. Je capte et je suis un peu une éponge. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu plus calme, j'ai pas pris la voiture et du coup c'est moins agressif pour moi. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la suite de mon défi. Ciao.